Bonjour, je suis Rosanna Beau. Je suis née le 1er janvier 1972. Déjà peut-être à travers ma date de naissance, j'étais prédestinée à canaliser un maître de premier rayon. En tout cas, mes premiers contacts télépathiques avec ma famille des étoiles s'est produit lorsque j'avais 3 ans, quand des êtres sont apparus dans ma chambre de petite fille. Je les ai vus de façon tangible, comme je peux voir un être humain. J'avais les yeux ouverts puisque je voyais également ma sœur qui dormait à ce moment-là. Et il y avait une femme parmi ces êtres. Et à ce moment-là, ils m'ont inséré un faisceau de lumière dans le bras. Et dès cet instant, j'ai été reliée à eux. Dans mes jeux de petite fille déjà, je m'amusais à parler aux êtres des étoiles, à dire « Allô, ici la Terre, tout va bien ». Et puis tout cela a sombré un peu dans l'oubli jusqu'à mes 15-16 ans. C'est surtout à 16 ans qu'un événement important s'est produit dans ma vie, puisqu'à ce moment-là, j'ai perdu mon père, qui est décédé d'un cancer en 6 mois. Ça a été une étape difficile parce que j'étais aussi dans ma période d'adolescence. Et à ce moment-là, je me suis posé toutes les questions qu'on peut se poser quand on démarre une démarche spirituelle, à savoir pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, d'où on vient, où on va, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi la maladie. Et c'est aussi la même année, en 1988, qu'un événement important s'est produit, que j'ai eu, sans le savoir à l'époque, parce que j'étais pas encore consciente comme je le suis aujourd'hui, mais j'ai eu un premier contact avec le maître que je canalise aujourd'hui, en conscience, Cristal Chaya. J'étais sur une autoroute en Allemagne, puisque j'habitais en Alsace, près de l'Allemagne, ma maman conduisait, et sur le chemin, une sortie de nulle part, une pluie de cristal s'est matérialisée et a fondu sur moi. Au début, on a eu très peur, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe, il y a un trou dans la voiture, les essuie-glaces se sont aussi arrêtés, et puis il pleuvait beaucoup ce jour-là, donc ma mère ne voyait pas très bien la route, on s'est arrêté à un garage, les essuie-glaces se sont remis à fonctionner, et à partir de ce moment-là, j'ai entendu en moi « manger la poudre de cristal ». Je me suis dit « qu'est-ce que ça veut dire, manger la poudre de cristal ?» Et je me suis mis un jour à canaliser, sans savoir là aussi ce qui m'arrivait, hein, je savais même pas ce que ça voulait dire le mot canaliser. Et je me suis mise à parler à table avec ma mère des structures énergétiques de l'être humain ailleurs que sur Terre, que notre structure actuelle n'était pas notre structure véritable. Et ma maman sentait que c'était pas moi qui parlais, elle s'est demandé mais d'où elle sort tout ça, elle ne lit aucun livre. Elle à l'époque était aussi un peu connectée, puisqu'elle commençait sa démarche, elle lisait pas mal de livres, mais moi je n'ai jamais lu de livres. D'ailleurs, depuis assez jeune, quand j'allais à l'école et que j'avais un devoir à rendre, lire un livre, faire un résumé, etc., je prenais mon livre et je le mettais au lit avec moi. Et c'est comme ça que j'ai pu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des livres sans même trop les lire. Ce qui est assez curieux puisque j'ai eu une formation, j'ai fait un bac littéraire. Et pour quelqu'un qui écrit aussi des livres, ça peut être surprenant, mais j'ai une autre façon intérieure de lire. Et donc, Cristal Chaya s'était manifesté donc en me donnant ce message sur les structures énergétiques de l'être humain. Et après cela, j'ai été très fatiguée. Donc j'ai dû dormir pendant 24 heures. Tout cela encore un peu sombré dans l'oubli. J'ai passé donc à mes 18 ans mon bac et là j'ai eu une grosse crise existentielle, à savoir pourquoi j'étais sur Terre, quelle était ma place, parce que toutes les études que j'entamais, aucune étude ne me convenait. Donc je me suis vraiment demandé ce que j'étais venue faire sur Terre. Donc ça a été un moment difficile parce que ça a été un moment où je ne trouvais pas ma place. Et pour moi, être sur Terre, c'est aussi prendre sa place, agir pour cette humanité.
Et là, c'était le flou total. Donc il y avait une réelle souffrance à l'intérieur de moi à ce moment-là. Et j'ai eu la chance, par une amie d'enfance, de rencontrer une personne qui avait été formée à l'époque par Patrick Drouot sur les états modifiés de conscience. Donc je suis allée voir cette personne et j'ai commencé un travail avec lui sur mes différentes incarnations. J'ai d'abord travaillé ma petite enfance, ma vie fœtale, et puis je suis rentrée dans des mémoires antérieures. Donc je me suis redécouverte dans des vies spirituelles, mais aussi des vies karmiques difficiles, et jusqu'à retrouver mes origines en Atlantide et puis avant la Terre. Là également, un travail a été fait qui m'a permis de me souvenir de ces êtres qui étaient venus à mes 3 ans. Ce monsieur, à l'époque, travaillait aussi en groupe, en atelier, et un jour, Crystal Chaya, pendant un atelier sur Shambhala, s'est manifesté à moi en me donnant clairement son nom, Crystal Chaya, en me disant qu'il transitait par Shambhala avant de venir sur le plan terrestre. Ce monsieur avec qui j'ai travaillé a également collaboré avec Solara, qui est une femme qui a été contactée aux États-Unis par des êtres venus d'ailleurs et qui a fait tout un travail d'activation du code 1111 en Égypte le 11 janvier 1992, où une porte énergétique s'est ouverte au-dessus de la pyramide de Khéops. Et les êtres qui étaient reliés à toutes ces énergies sont également reliés à la constellation d'Orion. Alors très vite, Crystal Chaya m'a dit d'où il venait. Effectivement, il vient d'Orion. Il faut savoir qu'Orion est une constellation qui a un rôle important à jouer. Il y a différentes étoiles dans le système d'Orion. Il y a l'aspect positif à travers Bételgeuse et Béatrix, qui sont des étoiles maîtresses, qui abritent de grands maîtres d'ascension aussi. Et puis il y a Rigel, qui représente plutôt l'aspect négatif d'Orion, là où il y a eu le début, si on peut dire ainsi, l'origine des conflits galactiques. Et il y a un vortex, qui est la ceinture d'Orion. Et dans le baudrier d'Orion, où il y a 3 étoiles maîtresses, qui sont Alnitak, Alnilam et Mintaka. Et ces 3 étoiles forment la croix d'Antarion, qui est le vortex El Anra. Ce vortex reflète aussi ses énergies à travers la ceinture d'Orion et à travers aussi les 3 pyramides du plateau de Gizeh, Khéops, Khéphren et Mykérinos. Ce vortex d'Antarion est également relié aux énergies des maîtres de Métatron, Michael, et l'étoile Anne est reliée au Melchizedek. Crystal Chaya, lorsqu'il se présente, dit toujours venir de l'étoile Anne. Donc il s'agit d'Alnilam, et ce sont donc les énergies reliées au Melchizedek. Crystal Chaya est un Melchizedek, et tout l'enseignement qu'il donne est un enseignement de Melchizedek. C'est aussi un gardien de la Terre, c'est un maître galactique, et aujourd'hui, il se rapproche du plan terrestre pour nous aider à aller vers ce processus d'ascension. Donc, si vous le voulez bien, je vais tout simplement lui laisser la place, lui faire place à travers mon canal. Et tout simplement, il va vous parler de ce processus d'ascension et de l'état d'urgence qu'il y a pour la planète aujourd'hui. Voilà. Pendant la canalisation, Crystal Chaya n'utilise pas mes yeux, donc j'aurai les yeux fermés, mais je vais simplement vous laisser en contact avec lui. Je vous souhaite une belle rencontre avec ses énergies. Bien-aimé de l'un, je vous salue. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis
dans les vibrations qui descendent, qui vous entourent, les vibrations de ma constellation d'Orion, d'où je suis. Soyez accueillis dans ces énergies. Soyez entourés par la présence des 12 cristaux maîtres d'Ann, d'où je suis. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, une des figures du premier rayon. J'appartiens à la fraternité dorée et c'est à travers une des chambres de résonance du conseil de Shambhala que je me rapproche du plan Terre pour vous aider, humains de la Terre, dans ce processus d'ascension, dans cet alignement, dans cette conscience d'intégration du « je suis ». Humains de la Terre, il y a urgence pour vous, urgence de rentrer dans cette conscience unifiée, urgence d'aller vers ce processus d'ascension. À l'heure actuelle, votre planète connaît des difficultés qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ont été créées il y a bien longtemps de cela, au moment où il y a eu cette grande fracture. Cette grande fracture reliée aux énergies de l'ancienne Atlantide, là. Aujourd'hui, il est nécessaire pour vous de retrouver un état d'unité, un état de reconnexion constante. Il est également temps, humains de la Terre, que vous appreniez à vous regarder dans le respect, dans ce qui vous rassemble, car vous respirez tous le même prana. Beaucoup d'humains se regardent encore à l'heure actuelle à travers les filtres de la personnalité. Et il est nécessaire qu'aujourd'hui, vous dépassiez cela pour entrer dans cette conscience du cœur christique, dans cet esprit de rassemblement, pour que demain, vous puissiez ouvrir les portes de la cinquième dimension. Ces portes qui vous conduiront vers un monde plus unifié, plus fraternel, un monde avec des concepts nouveaux, dans des sociétés nouvelles. Les sociétés actuelles donnent priorité à faire et à avoir. Or, la priorité universelle est de donner la priorité à « je suis ». À l'être, car l'être précède le faire et l'avoir. Si vous êtes au centre de vous-même et non à la périphérie, tout ce qui a besoin de venir à vous se met alors en place, sans effort, sans contrôle, dans une maîtrise totale. Et c'est cette maîtrise que je viens vous enseigner, humains de la Terre. Sans cette maîtrise, vous ne pourrez pas passer la porte de la cinquième dimension. Si l'on regarde les vibrations de la Terre à l'heure actuelle et on observe la Kundalini terrestre, cette Kundalini est en train de se déplacer, d'aller vers un autre foyer. Elle a connu le foyer, certes, de l'Atlantide, elle a connu un foyer important à travers les Himalayas. Aujourd'hui, elle va se déplacer jusqu'en Amérique du Sud, dans toute la zone là, Yucatan, Pérou, Chili, Mexique également. Le Mexique qui correspond aujourd'hui au chakra étoilé de la